Voilà quoi, je sais pas que je peux répondre à ça. Je suis né à Nîmes le 25 juillet 98. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. C'est mon club formateur, c'est le club qui m'a permis de goûter au monde professionnel. Donc je leur dois beaucoup et je suis très content d'être passé par là et voilà, déçu d'avoir quitté le club sur une descente. J'espère qu'ils vont vite remonter parce que c'est un club qui doit rester dans l'élite. Quand j'étais petit, je voulais devenir médecin. Mais bon, c'est raté. Alors, moi, je suis pas trop jeu vidéo. Je suis seulement à la Switch. Et Mario Kart, je pense que je me débrouille pas trop mal. C'était à Narbonne, avec Massy, au mois de novembre. Bon, malheureusement, on avait perdu. Et ouais, j'en ai un bon souvenir. Je rentre pour les 20 dernières minutes. Et voilà, quoi, j'étais très content d'être baptisé et enfin de goûter mon professionnel. Avec Charlie, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. On s'est connus plutôt en tant qu'adversaire, parce que lui jouait au Stade Français, moi à Massy, donc du coup on a joué pas mal de fois contre, et puis après on a goûté ensemble aux sélections équipe de France, jeunes. Et puis ouais, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, on est très bons potes. Ça restera le titre de champion du monde là, qu'on a acquis il y a 2 ans à Béziers. Ça reste vraiment un bon moment, surtout une belle aventure humaine, et c'était vraiment incroyable de vivre ça. Non, j'étais quand même sérieux et studieux, même si je bavardais beaucoup en classe. Le projet m'intéressait beaucoup. Paris, c'est un grand club. C'est un club qui m'a toujours fait rêver étant petit, et donc voilà, je voulais vraiment rejoindre ce club, et puis aussi pour mes études, ça m'arrangeait de rester en région parisienne pour continuer mon cursus.